Ce mercredi 5 avril, Philippe Cavé-Rivière faisait partie des invités de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Auprès d'Anne-Elisabeth Lemoine, l'humoriste de 52 ans, qui fait quotidiennement des chroniques comiques au micro de RTL, a évoqué ses vannes qu'il a notamment eu l'occasion de faire à plusieurs reprises face à Marine Le Pen. Pour faire rire la femme politique, il n'a d'ailleurs pas manqué de faire régulièrement un petit clin d'œil à l'amour de celle-ci pour les chats. Afin de donner de la consistance à ses sketchs radio, il avait même amené ses propres boules de poils au studio d'enregistrement. De quoi assurément attirer l'attention de la figure emblématique du Rassemblement national, et susciter son amusement. La députée de 54 ans a d'ailleurs plusieurs fois rigolé à plein poumon, vraisemblablement conquise par son humour. Questionné sur l'embarras que pourrait provoquer cette réaction positive de la part de Marine Le Pen, Philippe Cavé-Rivière a déclaré, notamment concernant son rôle face à la montée du parti d'extrême droite, « J'essaye de ne pas prendre l'auditeur en otage. Je pense que le RN est un marteau de fête foraine. » Plus on tape dessus, plus il monte. Sur sa lancée, l'humoriste a développé son propos, avec ironie et réalisme, ils sont à plus de 88 députés. Je crois que ce n'est pas que de la faute de mes chats. Supérieur à supérieur à l'évolution physique de Marine Le Pen, vanne pour que Marine Le Pen fasse un peu la tête tout de même. Le chroniqueur de RTL a ensuite expliqué qu'on lui a déjà reproché et dit que c'était de « s » à faute, que je la, Marine Le Pen, rendais sympathique. En guise de réponse, Philippe Cavé-Rivière a affirmé, alors peut-être que Roméo et Snatch, ces deux chats qu'il a amenés dans le studio d'enregistrement de la radio en présence de la femme politique, note de la rédaction, sont responsables de 44 députés, RN, chacun, mais je ne le crois pas. Et d'ajouter, au contraire, mécaniquement, on voit qu'ils ne font que monter, donc j'essaye de trouver un lien, avec Marine Le Pen lors de ses chroniques, mais je glisse des vannes, ou de temps en temps, elle fait deux ou trois fois un peu la tête et ça me va bien. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran France 5.